Le temps de travail et sa preuve fait l'objet d'une évolution permanente et met en évidence une contradiction, un paradoxe entre deux forces opposées. Du côté des salariés, un besoin de liberté, d'autonomie et d'un contrôle moins pressant. Et à l'inverse, de plus en plus d'exigences à la charge des employeurs en matière de temps de travail et de contrôle du temps de travail. Pour bien comprendre la question de la preuve du temps de travail, il faut repartir des temps de travail fondamentaux qui sont prévus dans le code du travail auxquels on ne peut pas déroger. Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au minimum, le repos entre deux journées de travail de 11 heures au minimum et la pause de 20 minutes au-delà de 6 heures de travail effectif. À propos de ces temps fondamentaux qui sont prévus par le code du travail, la charge de prouver qu'ils sont respectés incombe exclusivement à l'employeur. À noter que cette obligation s'impose même à l'employeur lorsqu'il s'agit du télétravail. À propos de ces temps fondamentaux qui sont prévus par le Code du travail, la charge de prouver qu'ils sont respectés incombe exclusivement à l'employeur et à sa charge génère des dommages et intérêts qui sont dits nécessaires, c'est-à-dire que le salarié n'a pas besoin de prouver un préjudice, le préjudice est de droit. C'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne de 2019 qui fait son chemin dans notre jurisprudence interne, qui a fixé la règle. Il appartient aux États d'obliger les employeurs à mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Et la jurisprudence interne va inexorablement être attirée par cette règle qui va même s'appliquer d'une certaine façon aux salariés qui sont au forfait. Il est donc impératif pour les employeurs de s'interroger sur une méthode de contrôle du temps de travail qui soit à la fois respectueuse des souhaits des salariés en matière d'autonomie, mais en même temps protectrice des intérêts de l'employeur lorsqu'il est amené à devoir justifier de ses temps et de leur contrôle. Le régime probatoire euh, de, du temps de travail évolue donc dans un sens de plus en plus favorable aux intérêts des salariés, et c'est logique au regard de cette jurisprudence européenne. Le salarié doit présenter quelques éléments suffisamment précis, et ensuite c'est à l'employeur de justifier, par un mode de contrôle objectif, fiable et accessible, de la réalité du temps individuellement apprécié de travail de chaque salarié. La preuve va de, dans le sens d'un allègement pour le salarié et d'un renforcement pour l'employeur. C'est le sens de la jurisprudence.